リンクスタート。Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, vidéo tout simplement pour pouvoir regarder ensemble eh bien, les différents seiyuu qu'il y a sur l'anime The Day I Became a God. Voilà, j'aime vraiment bien faire comme ça des petites vidéos sur le regardon que nous faisons actuellement chaque samedi, donc sur The Day I Became a God. Bah, j'aime bien comme ça faire des petites vidéos dans la semaine entre deux épisodes. Voilà, donc la dernière fois c'était la théorie que j'ai fait dans la semaine entre les deux épisodes. Et donc là, bah, c'est vrai que dans le dernier regardon, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, dans cette scène ici même, après je sais pas si vous allez bien entendre et tout, mais dans cette scène-là ici même, quand Ina a parlé... On dirait Nao là, il y avait un petit air de Nao Tomori. Hein. Voilà, voilà, j'ai bien dit clairement, quand Ina elle a fait son petit « Oh Ina, na yo !» Il y avait vraiment l'air de Tomori. Voilà, c'était vraiment, c'était du Nao Tomori tout craché, j'ai direct reconnu, forcément. Mais en même temps, j'étais pas sûr. J'étais vraiment pas sûr et tout, mais en même temps, je continuais aussi. C'est bizarre, c'est maintenant, j'ai l'impression que dès qu'Ina, elle parle, j'ai l'impression d'entendre Nao Tomori. Depuis qu'elle a fait son truc, là. C'est peut-être que moi, mais je sais pas. C'est bizarre. Eh oui, ben non, ce n'est pas forcément que moi, parce que du coup, on va découvrir ensemble les voix, les seiyuu des personnages de The Day I Became a God. Et donc pour le coup, on va commencer par Ina, hein, donc juste ici. Donc Ina qui est donc fait par Sakura Ayane. Et quand on va voir sur Sakura Ayane, alors déjà, c'est avec grand plaisir que j'ai vu que c'est la même qui a fait la voix de Yotsuba, hein, donc Yotsuba dans Quintessential Quintuples. Déjà, quand j'ai vu ça, j'ai adoré parce que bah, Yotsuba, c'est ma fille préférée de Quintessential Quintuples. Donc, comme quoi, apparemment, il y a tout qui est lié. Hein, voilà, il y a la voix de Ina qui est aussi la voix de la meuf que je kiffe le plus dans Quintessential Quintuples. En plus de cela, elle a fait la voix de qui? Bah, je l'ai vu, hein, je l'ai vu parce que j'ai regardé de mon côté. Voilà. Elle a fait la voix de Tomori Nao, donc de Nao Tomori dans Charlotte. Voilà, donc c'est bien ce que je disais et au final, ben, c'est tellement, on va dire, logique, hein, après avoir bien écouté, après avoir bien regardé, eh bien, ben voilà, c'est logique. Au final, c'est super logique et du coup, ben, ouais, ils ont la même voix. C'est bien ce que je disais, ils ont la même voix. J'ai direct reconnu Nao Tomori, c'était... C'est vraiment quand elle a fait... Je sais pas comment ça se fait que je l'ai pas reconnu dès le début. Mais c'est vraiment quand elle a fait son truc là et tout, elle a pris vraiment la même intonation de voix que Nao. Parce que forcément elle modifie un peu sa voix, elle va pas avoir la même voix que Nao. Alors que c'est, on va dire, le même créateur et tout, John Maeda. Mais du coup, là elle a pris une intonation et j'ai vraiment, mais direct, entendu Nao. Et effectivement, bah, c'était bien Nao Tomori, donc voilà, elle fait aussi bah, la voix de Ina forcément. Voilà, donc vraiment très très agréablement surpris de voir que bah, du coup c'est exactement la même voix que Nao. Donc ils ont pris la voix de... Pour la voix de Ina, ils ont pris la même meuf, donc Sakura, qui fait du coup la voix de Nao. Et je trouve ça juste énormissime en fait, ça me fait trop plaisir et ça m'étonne parce qu'il me semblait vraiment qu'ils avaient, on va dire, tout remis à zéro et donc ils avaient vraiment, au niveau des acteurs en tout cas, qu'ils avaient vraiment pris de nouveaux acteurs pour faire les voix. Et bah comme quoi apparemment bah non, non voilà, Nao est encore présent, voilà, donc super content. D'ailleurs elle a même fait Cocoa de l'anime du café, hein. Enfin voilà. Donc voilà, très sympathique, très cool à savoir, et donc ça fait vraiment très très plaisir. Ensuite on va voir du coup la voix de Yuta. Voilà, donc la voix de Yuta, qui est derrière et tout, et donc s'il y a des personnages que je connais, ou peut-être vous aussi hein, en regardant et tout, donc c'est Anae Natsuki qui fait sa voix. Donc, alors, est-ce que... Ah, déjà, il a fait la voix de Maedo Marie dans Charlotte. Ça, c'est énorme de te dire que, du coup, celui qui fait la voix du personnage principal de The Day I Became a God, et donc la voix de Yuta, c'est aussi lui qui était un simple personnage vraiment très secondaire. Hein, Maedori, c'est très très secondaire de Charlotte. C'est génial de te dire ça, quoi. C'est énorme, ça fait plaisir à voir. Putain, ok. Il a fait aussi la voix de Jaco dans DBS.
Ok, donc là aussi, il faut se dire que le personnage principal de The Day, c'est aussi Jacko dans DBS, qui là aussi est totalement secondaire. Voilà, donc il a fait la voix de Yota. C'est cool ça, franchement, ça fait plaisir de voir ça, tu vois, c'est toujours des grosses découvertes. De genre, tu découvres qu'en fait, le personnage, enfin le mec, il a fait la voix de perso secondaire que tu vois à peine dans des animes que tu aimes, et que là, il a vraiment une place hyper importante, et c'est énorme, je trouve. Il a fait la voix de Shinkawa dans Sword Art Online 2. What the fuck, il a fait la voix du fou. Tu vois, ça c'est énorme. Moi j'adore. J'adore regarder ça. C'est un truc de fou. Le mec il a fait la voix d'un malade mental dans Sword Art Online. Et là maintenant c'est le personnage principal dans The Day. C'est énorme. C'est énorme. Ok, ok, donc ça marche. Alors on va voir du coup maintenant la voix de Izanami. Qui est donc fait par Ishikawa Yui. Alors, est-ce qu'elle a fait une autre voix d'un autre personnage qu'on connaît? Alors peut-être que des fois je passe devant certains. Donc voilà, donc elle a fait la voix. Elle fait la voix du coup de Izanami, qui est donc un supporter. Elle fait la voix de Misaka. Waouh. Ok. Donc la meuf qui fait Izanami, le personnage dont est amoureux Yota et tout depuis le début, et donc un personnage très secondaire, on va, enfin très secondaire, quand même pas mal de The Day, c'est la voix de Misaka dans Attack on Titan. Ok. Ah c'est dingue. Ah et c'est aussi la voix de Violette. Bon j'ai pas regardé Violette Evergarden, mais c'est quand même, je sais que c'est un personnage important. Donc elle fait aussi la voix de... Ok. Ok, donc c'est une seiyuu qui a pas fait énormément de voix, mais vraiment. Elle a fait très très peu de voix au niveau des personnages, mais elle reste quand même assez importante, quoi. Ok, ça marche, donc voilà, c'est très intéressant. Ensuite, ben, on a Jojiro, hein, voilà, Jojiro qui fait partie ben, des personnages, hein, malgré qu'il a juste deux lignes de texte, il fait quand même partie des personnages. Alors ensuite, on a Sora, donc Sora, la petite sœur de Yota, qui est donc interprétée par Kuwahara Yuki. Alors, elle a fait la voix... Ah bah déjà, elle a fait la voix de Yu. Alors, je connais pas non plus l'anime et tout, mais je sais qu'une personne sur Discord adore ce personnage. Donc, elle a fait la voix de Yu, là, du coup. Donc, c'est intéressant à savoir. Elle fait la voix de Sora. Elle a fait la voix de la meuf principale, là, dans Koibi-chan, là, je sais pas quoi, les dragons, là. Tac, tac, tac. Et c'est tout, waouh. Ah ouais, là aussi, c'est une seiyuu qui a pas fait énormément de voix. C'est une seiyuu qui a vraiment très très peu de voix de fait, donc peut-être qu'elle débute dedans, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sympa. Elle a fait quand même des voix sympas, et donc, une fois de plus, moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien qu'ils prennent des personnes comme ça qui ont pas fait énormément de voix, et donc qu'ils les prennent pour faire des personnages, je trouve ça vraiment cool. Ça les rajoute vraiment dans le palmarès, on va dire, hein, des personnages. On a la voix de la meuf, la Tenga, qui est faite par Shigamura Yu. Alors, elle a fait qui, elle? Tac, tac, tac. Je connais pas. Donc voilà, elle a fait la voix de la meuf. Et... Elle a fait la voix de Annie. Ah, ouais. C'est énorme. Du coup, il y a Mikasa et Annie qui, au final, se retrouvent ensemble pour The Day à Mikama God. C'est énorme. Oh, et c'est elle qui a fait aussi la voix de elle, là, Siyun, dans Sword Art Online 2. Putain. C'est un truc de fou, ça, genre, tu découvres des trucs que, genre, la voix de Siyun, ce personnage, mais tellement OSEF des trucs, là, des Sleeping Knights, ce personnage tellement OSEF, qui, au final, bah, c'est la meuf qui a fait Annie, qui, là, est très important, et aussi, bah, qui fait, du coup, un personnage de The Day, quoi, c'est incroyable. Vraiment, j'adore, et en même temps, découvrir ça avec vous, c'est encore mieux, quoi. Ensuite, le mec qui a fait du coup la voix du pote de Yota, donc là, Ashura, là, donc c'est Kimura Ryuei. Donc déjà, on voit qu'il a fait une voix dans Kamega Kill, on voit que c'est lui qui a fait Hinata dans Angel Beats. Waouh, ça aussi c'est énorme, genre le mec, ça y est, il était présent pour faire une voix d'un personnage dans Angel Beats, ben là, il revient pour faire une voix dans The Day à Mikama God, c'est énorme. En plus, Hinata, quoi, c'est pas rien. Et pourtant, tu le reconnais pas. Comme dit, ils modifient un peu leur voix ou tu te souviens pas trop. Mais c'est vrai que j'ai pas reconnu du tout Hinata, hein, avec ce mec, quoi.
Et ensuite, je regarde. Ouais. Il a fait une voix dans Demon Slayer. Tac, tac, tac. Ça, c'est quoi? Je connais pas, je connais pas. Il a fait énormément de voix de beaucoup de personnages. Ah, il a carrément fait une voix dans Pokémon. Ok. Ah, ouais, là, tu vois, ça, c'est un CU par contre qui. Waouh! Lui, tu le vois partout, hein. Ok, non, il a rien fait d'autre, apparemment, que je connais à première vue, là. Ok, bon, bah, ok, sympa. Le hacker, j'ai vraiment hâte de voir qui a fait quoi, là. C'est quelle voix ça et tout. Donc, Hirotof, le hacker. Donc, c'est Shigematsu Shiharu qui s'en occupe et le mec débute à mort. Waouh! Le mec, il a rien fait. Il a fait deux voix. Il a fait la voix d'un personnage dans Boshu Shoujo, là, je connais pas. Et il a fait le hacker. Ça, c'est énorme. Ça, j'adore, tu vois. Vraiment que des mecs comme ça, ils ont vraiment quasiment rien fait. Et comme dit, qu'on leur offre la possibilité de faire un personnage quand même important. Parce que le hacker, ça, c'est un personnage important, apparemment, de The Day. Donc j'adore, c'est trop bien. Putain, il a fait que deux voix. Ensuite, on a Ikari, là, donc la pote de Sora. Et donc, elle est faite par Teryu Haruka. Alors, elle a fait qui d'autre? Ok, là non plus, elle a pas fait énormément de personnages. Voilà. Et j'en connais pas d'autres, première vue. Ouais, ok. Donc là aussi, très sympa, voilà, elle a pas fait énormément de personnages et tout. Le père, donc le père d'Eiichi. Alors, le père, il a fait quoi? Le père, il a fait une voix dans Hazelworld. Il a fait des voix dans Bleach. Il a fait des voix dans des Fates. Est-ce qu'il a fait dans autre chose? Que je connais, bien entendu. Non, connais pas. Il a fait pas mal de voix. Hein. Ah, ça, quoique, non, ça va encore. Ok. Ok, ça marche, nickel. Ok. Et donc là, on a d'autres persos encore. La voix du mec qui accompagne le hacker, c'est qui? La voix du mec qui accompagne le hacker. Ouais, il a fait une voix de Hulk. Ok. Ok. Et c'est la voix de Behemoth dans Sword Art Online 2. Ok. Donc, le mec qui accompagne You, c'est. Enfin, You. Je suis vraiment perdu avec You, dans ce cas. Le mec qui accompagne Hiroto, donc le hacker, c'est Behemoth de Sword Art Online 2. Ok. Ok. Et après, on a la voix de la mère de Yota. La voix de la mère de Yota qui a fait pas mal de rôles. Alors, je passe comme ça. Elle a fait la voix de Céline dans Moto to Love Ru, ok. Tu découvres des trucs des fois, tu te dis, mais what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Elle a fait la voix de Rissa aussi dans To Love Ru. Elle a fait Céline et Rissa. J'avais jamais remarqué que c'était les deux mêmes personnes qui faisaient les deux persos. Waouh! Ah ben c'est super à savoir, c'est super cool de savoir ça, tu vois, une fois de plus. Que la mère de Yota, la voix et tout, le seiyuu qui fait ça, ben c'est aussi la voix de personnage de To Love Ru. Voilà, what the fuck. Voilà, du coup, les gens, ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo, j'avoue, c'est très spécial et tout, hein, mais voilà. C'est vraiment une petite vidéo en complément, une fois de plus, du dernier regardon qu'on a fait, et donc en complément des réactions que nous avons chaque semaine sur The Day I Became a God. Mais voilà, c'est vraiment une vidéo pour compléter tout ça. Je voulais vraiment voir avec vous les voix de chaque personnage. Comme dit, j'avais déjà regardé de mon côté pour Ina, et donc ben, je savais qu'au final c'était bien Naoto Mori. Hein, c'est surtout pour ça à la base que je voulais faire la vidéo. C'était vraiment pour vous montrer que voilà, effectivement, c'était bel et bien Naoto Mori que j'avais entendu. Parce que ben, c'est bel et bien elle qui s'occupe du coup du seiyuu de Ina. Et donc je trouve ça énormissime au final que ben, Naoto Mori est de retour dans un autre corps pour à nouveau avoir un rôle capital dans un anime, dans un chef-d'œuvre de John Maeda. Je trouve ça c'est vraiment énormissime. Pareil pour Yota, qui à la base était vraiment le personnage secondaire à mort dans Charlotte, mais qui là est de retour une fois de plus dans un anime de John Maeda, mais qui est le personnage principal. Voilà, c'est énorme. Je trouve ça vraiment très sympathique. Et donc voilà, je vais vraiment découvrir ça avec vous et tout. Donc j'espère que certains, voilà, vous aurez pu voir, vous, de votre côté, certains personnages, ça aura pu vous étonner, comme moi, ça m'a étonné.
Allez les gens, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et oui, là c'est des photos de ma peluche. Allez, à plus.